Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Alors enfin le retour de nos Starsky et Hutch avec le numéro 32. Donc ça y est, ça reprend un rythme normal, donc on se retrouvera à nouveau tous les dimanches pour continuer cette superbe voiture. On pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si cette voiture vous intéresse, vous retrouverez le lien dans la description pour vous y abonner. On est parti! Numéro 32 de Starsky Hutch. Le montage de la suspension arrière. Alors on voit les pièces de notre numéro 33. Donc ça sera toujours pour l'essieu arrière. Un petit mot pour nous dire que 33, ce sera le 29, le 34, le 6. Donc ça reprend un rythme normal. Notre résultat fini, dans le guide des épisodes, on est sur Vendetta, l'épisode 10 de la saison 2, un petit saviez-vous, et voilà pour ce numéro. En A, on a notre support supérieur du bras de suspension, en B, c'est notre bras de suspension supérieur gauche, en C, c'est celle-ci. C'est notre support inférieur du bras de suspension supérieur gauche. En D, donc marqué R. C'est le support supérieur du bras de suspension droit. Là, marqué R également. C'est le bras de suspension supérieur droit. Le F, marqué R, c'est le support inférieur du bras de suspension supérieur droit. On a des vis DM, des vis IM et des vis NM. On commence par prendre notre pièce A en mettant le petit téton qui est derrière à l'arrière. La pièce B que l'on vient mettre comme ça. Et on voit c'est courbé, on fait la courbure vers la droite. Et on y met une vis NM. Ensuite la pièce C, quand on tient ça comme ça, on vient la mettre comme ça ici, tourner vers la droite. Et c'est pareil, une vis NM pour tenir. On fait ensuite pareil avec ce marqué R, comme ça, sauf que cette fois-ci, on l'envoie vers la gauche. Donc ensuite, quand on le tient comme ça, on vient mettre ça en place. Ici, comme ça, et c'est pareil, la vis est même juste ici. Ensuite, le premier que l'on avait fait, marqué L. Donc, on tient ça comme ça. On récupère la pièce de notre numéro 31. C'est pareil, pour être sûr que c'est la bonne, vous avez un L marqué ici. On vient l'emboîter ici, comme ça. Et on vient juste ici y mettre une vis IM. Voilà. On fait pareil avec le deuxième marqué R.
récupère ensuite le montage du numéro 30. On le met dans ce sens-là et de cette partie-là vers le haut. On prend 8 qu'on vient de faire, donc marqué R. Comme ça dedans. On vient ensuite juste ici et on y met une vis DM. On vient ensuite de ce côté-là, on fait pareil avec celui-là. On le remet ici et on y met notre vis DM juste ici. Et voilà, je te souhaite de nous donner à la fin de ce numéro-là. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, on pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook et Instagram. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!